je suis Danaliette. Danaliette. Sais-tu ce que veut dire ton nom dans ma langue? Mais bien sûr que je le sais. Il signifie ami des Danaliettes. Tu comprends ce que je te dis? Les dieux m'ont en effet donné ce talent. Alors, pourquoi l'ami des Danaliettes défend-il les humains? C'est une bien longue histoire, Monseigneur. Mais pour être bref, je dirais que lorsque je suis descendu du ciel afin d'accomplir ma mission auprès de vos ancêtres, j'ai voulu connaître mon père. Cette rencontre a changé le cours de mon existence, m'a valu la défaveur de mes maîtres. Aussi fus-je banni et je me suis réfugié sur ces terres. Il n'est pas trop tard pour revenir à mon service, ami des Danaliettes. Oh que si! Car au fil du temps, il s'est tissé entre les habitants d'Enkidiev et moi un lien indissoluble. J'agirais en traître si je me rangeais maintenant à vos côtés. Tu as donc décidé, comme eux, de m'anéantir. Pas si vous retournez sur Elianet avec toutes vos troupes en promettant de ne jamais revenir à Enkidiev. À toi, les dieux ont confié une mission, mais à moi, ils m'ont donné le monde.